Amandine de l'Institut Zen et Beauté. J'aimerais parler à Madame Orsini, s'il vous plaît. Je ne crois pas, non. Ah oui, mais elle vient de gagner une semaine de soins gratuits. Oui, mais... écoutez, mademoiselle, ça m'intéresse pas. Au revoir. Allô ? Bonjour, monsieur Georges. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais faire des crêpes pour mon petit-neveu. Ah. Figurez-vous que j'ai plus un œuf. C'est trop bête. Ah oui, c'est bête. Vous ne pourriez pas me dépanner? Oui, oui, bien sûr, madame Gomez. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Mais non, mais non. Vous êtes voisin, c'est quand même un peu cavalier de ma part. Mais non, madame Gomez, mais non. Bien. Hein? À bientôt. À bientôt. Oui? C'est Amandine de l'Institut Zen et Beauté. On a été coupé tout à l'heure. Alors voilà, madame Orsini a gagné une semaine de soins gratuits. J'insiste pour vous dire que chez nous, quand c'est gratuit, c'est extrêmement gratuit et pas payant. Hein. Donc voilà, je voulais voir avec vous. Allô? Allô? Bon, écoutez, monsieur, vous pourriez répondre. Hein. C'est pas très gentil ce que vous faites. Hein. Vraiment pas gentil. Hein. C'est pas tous les jours qu'on vous propose des soins gratuits, extrêmement gratuits. Hey. Shabbat shalom, monsieur Levinson. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ça va bien? Oui. C'est à quel sujet? Votre mezouza a été enlevée. Et c'est grave. Mais heureusement, on vous en a amené une, bénie par le tzaddik de Kotsk. Bah, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai enlevé, la mezouba, la mezouza. Comment c'est vous qui avez enlevé la mezouza? Oui, c'est moi. Et pourquoi? Vous avez honte d'être juif? Il a honte d'être juif. C'est-à-dire c'est lui qui a enlevé la mezouza. C'était lui. Reste tranquille. On reste poli. C'est M. Levinson, la personne qui habitait ici avant moi. Alors lui, il est parti, il a pris ses affaires, et puis sa mezouza, ses trucs, et puis voilà. Et moi, je ne suis pas juif. Hein? C'est assez clair pour vous? Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas juif? Non, je ne suis pas juif. Vous n'êtes pas juif? Non. Vous êtes sûr? Justement, oui. Il t'a dit qu'il n'est pas juif. Il n'est pas juif, il t'a dit qu'il n'est pas juif. Comment vous appelez? Je m'appelle Reisman. Voilà, Reisman. Il s'appelle Reisman. Il n'est pas juif, il s'appelle Reisman. Vous êtes juif, vous ne voulez pas l'admettre. C'est vous qui avez enlevé la mezouza. Non, ne t'énerve pas. Tu sais ce qu'il a dit. Il a enlevé la mezouza. C'est pas bon pour toi. Ne t'énerve pas, tu sais ce qu'il a dit le docteur. Arrête, excusez-nous, monsieur Reisman. Il sort juste de la yeshiva, il est un peu tendu, excusez-nous. Et ma mère, elle est corse, hein? Alors moi, j'ai rien à voir avec ça. Ah, vous êtes un Reisman de Corse, Ajaccio ou Bastia? J'ai une cousine, une Reisman. Ici, il n'est pas juif. Voilà, écoutez, vous êtes gentil, maintenant vous allez sortir, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Oui, excusez-nous, monsieur Reisman. Shlomo, nous allons. C'est un Reisman, il est... Shlomo, il te dit qu'il n'est pas juif, Shlomo. Mais non, je te dis qu'il est juif, c'est un Reisman. Arrête maintenant, Shlomo, on y va. Excusez-nous, monsieur Reisman, on y va. Viens le dire plus tôt, hein. Allez, vous croyez que ça nous amuse de faire la conversation mondaine aujourd'hui, ça va? C'est madame Gomez. Je confuse. Oui? Figurez-vous que mon saladier est trop petit pour ma pâte à crêpes. Vous pourriez pas m'en passer un? Mais oui, je vais vous trouver ça. Merci. Putain de saladier. Ça va? C'est parfait. Ah, bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, vous êtes mais trop oui. gentil. Mais oui, c'est bien. Bon, je suis désolée de vous avoir dérangé. C'est hein. pas grave, madame. C'est pas grave. Bon, à bientôt. Oui, c'est ça, à bientôt. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Amandine. Je vous ai déjà dit, j'en avais rien à foutre. C'est pas clair? Mais
incroyable. C'est une offre exceptionnelle et je me disais que ça intéresserait Madame Orsini, c'est tout. Mais... Hey Georges, comment est-ce que tu vas? Hein, tu ne peux pas rentrer? C'est Katia, elle est belle, non? Oui. Je suis très heureuse d'avoir votre connaissance, Georges. Ah bon? Il m'a beaucoup parlé de vous. Je l'ai rencontré à la grande note. On va fêter ça, le bar n'a pas déménagé. Oui, non. Bah, il a l'air tout gassé, le téléphone. Enfin, tu sais, Yvan, je suis pas en humeur, hein, tout ça, aujourd'hui. Tu peux être rabat-joie, on va prendre un verre tous ensemble. Julie est sortie? Ah, Yvan m'a dit que t'avais une très jolie femme. Je voudrais tant la connaître. Ah, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger encore, monsieur Georges. Je vous ai apporté des crêpes. Ah, j'adore les crêpes! Ah, mais vous avez du monde avec vous. C'est vous qui les avez faites? Bien sûr que c'est moi qui les ai faites. Eh bien, vous prenez un petit verre avec nous. Ah, c'est pas de refus. Merci. Je veux bien un verre aussi, chérie. Ouais, allez, les crêpes. J'ai pas pris de sucre. À moins que monsieur Georges ait de la confiture à nous donner. Oh, ça ira comme ça, ira comme ça. Au fait, monsieur Georges, votre femme, elle est toujours en vacances? Non, elle est morte depuis 3 jours. Non, mais c'est affreux. Oh mon Dieu. Le mieux, ça va être de vous laisser. Hein. Mmh. Bonsoir, monsieur Georges. C'est ça. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu m'en as pas laissé le temps. Mais bon. Je vais te laisser, mais je t'appelle prochainement. À bientôt, Katia. Mmh. J'ai oublié mes crêpes. Je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée. Pas autant que moi. Doucement, doucement. Non, 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 Fifi, non, ma Fifi, pas pipi ici, non, 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 non. Non, on va aller au caniveau. Allez, viens. Allez. Non, 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 on va au caniveau. Allez. Viens au caniveau. Oh, mais qu'est-ce que... La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. A changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Grrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu du boum, dans son fauteuil de nuages.
car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles.